Yep. Vous rêvez pas, guys. C'est le lancement, comme dans le bon vieux temps. Et il y a plusieurs raisons. Ça sera pas comme les autres séries qui vont se faire abandonner ou... On va revenir comme à l'époque. Vous allez voir, je vais vous parler. Il y a un tas de trucs à raconter. Et surtout que maintenant, j'ai un horaire de stream qui est en train de s'établir. Ça fait 4 ans que c'est un bordel dans ma vie. Et je vais probablement tourner chaque épisode de Minecraft durant les lives, comme je le fais actuellement, parce que je vais pouvoir avoir l'aide de la communauté. Je vais me sentir déjà beaucoup moins seul. Et je reviens comme les 10 défis Minecraft, tranquille, sans prise de tête. Juste comme dans le bon vieux temps. Je me mettais trop de pression, comme si il y avait trop d'attentes, voyez-vous? Alors c'est le début d'une magnifique série qui s'appelle Les Défis 9 et 3 quarts. Vous allez savoir pourquoi ça s'appelle 9 et 3 quarts. Il y a beaucoup de raisons. Je vais vous énumérer la liste de défis qu'on va devoir réaliser. Il y en a... Je voulais des défis loufoques et rigolos. Je sais pas si vous êtes prêts. Donc, salut tout le monde, je m'appelle Steel Horse. Yeah. Et bienvenue dans les défis 9 et 3 quarts Minecraft. On fait single player. Les défis 9 et 3 quarts. Parce que je pense pas que mettre le petit logo, ça va être une bonne chose. On est en mode survie, en difficulté hard. Alors, ça fait quand même un petit moment que j'organise cette série et tout. On sera pas en mode hardcore, parce que ça serait chiant de crever après l'épisode 4. Puis je veux pas nécessairement me décourager et tout. J'ai juste envie de laisser les choses aller, that's it. Et au niveau du seed, on va appeler ça pareil pour les gens qui ont envie de suivre. Les défis 9 3 quarts. Tout codé. That's it. Donc, comme ça, les gens qui ont envie de suivre, oubliez pas les majuscules et tout. J'espère qu'on va pas apparaître dans un biome de merde. Et... Je suis stressé. Create new world. Oh my God. Là, j'apparais dans un biome d'océan avec un warden dans ma tronche. Come on. OK. Ah! Ouh! OK, il y a des beaux arbres qui sont juste ici. Là, vous devez savoir quelque chose. Quand ma fille est née, c'est la dernière fois que j'ai joué à Minecraft avec Olicube. Et déjà, Olicube, j'étais très rouillé. On était sur du multi, ultra modé et tout. Il y a ce côté qui, finalement, ne m'a pas plu. Moi, ce que j'aime, c'est jouer à Minecraft, je veux dire, vanilla. La seule chose que j'ai, c'est un shader. C'est tout. Et pour vous montrer, tout va être dans la description de chaque épisode, donc vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que j'ai en fait. Donc, dans le Video Editing Shader Pack, j'ai le Complementary Unbound, mais modifié pour avoir des éléments du Reimagined. Reimagined, mon anglais est absolument magnifique. Alors là, je suis complètement rouillé. Là où j'ai fait le plus d'heures dans Minecraft dans ma vie, c'était quand j'avais commencé les 10 défis et tout, c'était le moment où je jouais tout le temps. Donc, j'ai perdu à travers le temps des compétences de jeu de Minecraft où j'ai besoin de réapprendre. Il y a tellement de nouveaux mobs. J'ai pas rejoué depuis qu'il y a eu l'update des caves qui sont absolument épouvantablement profondes. Donc, pour moi, ça va être de réapprendre à jouer. Et grâce à vous, grâce aux commentaires, grâce aux gens avec qui je suis durant le live, ben, quand je suis coincé, ça va moins me décourager et je vais donc naturellement pouvoir mieux m'en sortir et pouvoir mieux progresser dans le jeu. Parce que parfois, avant, j'étais toujours tout seul. Et je voyais bien que dans l'espace commentaire, j'avais souvent des gens qui se plaignaient. « Steel, t'as pas fait ça. Steel, t'as oublié tel truc. Steel, il manque plein de choses. » Donc, bref, c'est juste...
J'avais de la difficulté à progresser, j'oubliais, comme j'ai dit, je me mettais de la pression, j'avais de la difficulté à avancer. Donc là, c'est juste revenir aux bases. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de ménage. Vous, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais j'ai vraiment fait du gros ménage dans ma vie, dans mes séries, sur ma chaîne et tout. Et de toute manière, sur cette chaîne, donc Minecraft, Steelhorse Gaming, c'est la première fois qu'il y a une série de Minecraft sur cette chaîne. Donc, c'est vraiment comme si on repartait à neuf. Et ça, c'est cool. Alors là, le biome qui est là, j'ai aucune idée c'est quoi, mais on va y aller parce qu'il est quand même plutôt magnifique. Et on va quand même ramasser du bois parce que, mine de rien, ça serait con que je crève. Gars, il y a déjà des membres de vous, hein? Regardez ça, là. On se fait accueillir au loin. Je crois que c'est con, mais je crois pas que j'ai vraiment besoin d'aller plus loin. J'ai des beaux arbres roses magnifiques. On a déjà un beau biome là-bas. Je veux dire, j'ai un biome normal ici. Je vois que j'ai la savane, je crois, là-bas. Yeah? Donc, c'est comme si j'avais trois biomes en un. C'est quand même plutôt très nice. Donc, pas besoin d'aller plus loin. On dirait que c'est comme si cette fois-ci, j'ai été remercié, tu vois. Hey, j'aimerais ça voir quelqu'un dans la vraie vie. Non, ben, j'aimerais pas ça, mais je veux dire, juste la vision de... Bon, on est en octobre, OK? J'ai le droit d'imaginer des trucs. Quelqu'un qui arrive à éclater à main nue un mouton. Je veux dire, ça te prend, mais tout un homme, quand même. Je veux dire, avec la prise de catch, tu vois le truc, c'est... il tient... Ouais, bon, c'est... Je veux pas... J'aime pas l'image parce que j'aime trop les animaux, mais... quand même! Oh, j'ai tellement hâte de voir... les commentaires et tout qu'il va avoir avec le retour. Il y en a sûrement beaucoup qui vont se chier dessus. Donc là, évidemment, le classique. Et il y a le même personnage que le dernier que j'ai fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Minecraft que je me suis transformé en... squelette. Alors là, ici, je vais au moins pouvoir me faire un épée. Va falloir que j'attrape aussi des moutons pour me faire un lit parce que sinon, je vais pas survivre à ma première nuit, ça c'est sûr. Donc là, au moins, j'ai ça. Évidemment, se faire une bonne pioche des familles pour aller ramasser nos premiers items. Mouton! Viens ici! Je veux juste t'enfiler une épée. Ah, beaucoup mieux qu'à la main. Donc, on va après ça aller explorer ici pour commencer à se préparer pour la maison. Et une fois, à peu près où je vais être, je vais vous donner les défis qu'on va avoir et pourquoi ça s'appelle... Ben, en fait, déjà là, le temps que je trouve d'autres moutons, au moins un autre, je vais toujours vous expliquer pourquoi ça s'appelle 9 et 3 quarts. Évidemment, les gens vont s'en être... Ah, je pensais que c'était un mouton, mais c'est un boulot. Parce que Harry Potter. Et pourquoi Harry Potter? C'est pas parce que je veux faire un truc Harry Potter ou quoi que ce soit. C'est que je crois sincèrement, avec un peu de recul, c'est la série de films, peu importe, film tout confondu, qui m'a le plus marqué. Je veux dire, quand les films ont sorti, j'avais exactement l'âge d'Harry dans le film. Donc, on a grandi en même temps qu'Harry Potter. J'en ai pas manqué un seul au cinéma. Ça a été une expérience, mais complètement folle que j'ai pu vivre direct. Il y avait quelque chose. Et ça m'a naturellement marqué. Je suis pas un Potterhead, mais... Il y avait un petit... Je voulais pas appeler ça les 10 défis Minecraft, parce que ça a déjà existé. Après ça, j'ai fait les défis Minecraft. Après ça, j'ai fait les... j'ai appelé aussi les 20 défis Minecraft. Bref, un shitload de séries. Donc, je voulais quelque chose qui était représentatif. Alors, j'ai pris le nom d'une des choses qui m'a le plus marqué. Voilà, donc Harry Potter. Et l'autre chose aussi... c'est que, vous allez voir avec les défis, je voulais des défis qui sont loufoques et tout, et c'est cool de quand même avoir des défis à réaliser. Il y a un petit côté qui est super satisfaisant quand tu réussis, et là-dedans, il y en a un que, bon, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai mis ce défi-là, mais j'ai hâte de vous parler d'un en particulier qui me tient à cœur et qui risque de vous bien faire rire. Il y a le 9 3 quarts, je vous dirais. C'est que je termine à peu près rien que je commence. On va se le dire. Alors, je trouvais ça cool d'avoir
les 9 défis et 3 quarts parce que je finis à peu près rien de ce que je commence. Alors, encore une fois, c'est quand même bien représentatif de Steelers, vous voyez. Alors, comme je vous expliquais en début d'épisode, le pourquoi que j'ai fait du ménage autant dans ma vie, autant dans mes séries, autant sur mes chaînes et tout, je me mettais beaucoup trop de pression et j'imaginais que c'est ça que ça prenait pour le futur de YouTube. Et ça fait 4 ans que je suis vraiment perdu, que je me cherche. Et je vous dirais qu'avec les crises d'épilepsie que j'ai fait, la nouvelle la médication que je prends pour stabiliser l'épilepsie est aussi un stabilisateur d'humeur. Et j'en ai profité pour vraiment faire attention à moi-même. Et voyez-vous, en seulement 4 mois, j'ai quand même déjà perdu 32 livres de perdu. Alors, à peu près 12 kilos. Ça vous donne une idée, en fait, de comment j'ai juste pris beaucoup plus soin de moi. Et ça, ça paraît. Et par la suite, j'ai commencé à juste réfléchir, revenir aux bases, faire attention à moi. Et tout ça, ça fait en sorte que t'arrives juste quand t'es mieux dans ta vie. Je veux dire, je me couche à des heures réguliers. Avant, c'était vraiment un bordel. J'étais toujours fatigué. Il y avait... Puis quand ça va pas bien niveau santé, c'est difficile d'appliquer aussi dans ton horaire de travail, de ce que tu fais, de stream, ça devient bordélique, rien qui fonctionne. J'étais nouvellement papa, ça aussi, c'est un gros changement dans la vie. Et j'étais juste complètement perdu. Alors là, je reviens aux bases, comme j'ai dit, le ménage et tout, c'est quoi Steelers, pourquoi vous suivez Steelers? Et je comprends aussi, tu sais, je veux dire, les vues ont énormément baissé. Et quand on y pense... c'est un peu normal parce que j'ai perdu votre confiance avec le temps. Parce que, je suis pas fiable, je termine à peu près rien, je commence. Donc, vous vous dites pourquoi je commencerai une série si Steelers va pas la finir de toute manière. Alors, mais parfois, ça prend du temps. Juste pour revenir, justement, aux bases. De se dire qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui me fait du bien. Et justement, de réduire cette pression dont je parle, c'est un tout. Voilà. Donc là, j'aime bien l'endroit. Le fait d'être placé, en plein centre de plein de biomes, c'est plutôt chouette. Il y a le soleil qui se couche bientôt. Je vais devoir aussi me faire un fourneau. J'avais ramassé aussi un peu de... Parce que là, je commence à avoir une bonne faim, sa maman. Donc, 3, 4, 5, 6... 7, 8, ok, je peux même plus courir, rien, on va sortir, est-ce que j'ai récupéré ma table de craft? Je suis vraiment de merde, allez, come on, je vais me placer ici, tout en haut, question d'avoir une belle vue du golden hour, dans les options, il faut que je mette le soleil carré, je veux rien savoir d'un soleil rond, j'aime ça vraiment avoir le côté... Le vrai côté Minecraft. Il me reste encore assez de bois, c'est parfait. On se fait ça ici. Allez, come on. Vite! Je veux pas qu'un creeper apparaisse, que je crève déjà le premier soir, ce serait con. On fait ça ici. Ça. On se fait cuire un peu de steak. Ok. Il est où mon lit? Ici. Vite. Ha! On est safe. Mesdames et messieurs, on a survécu à notre première nuit! J'imagine que vous êtes faberglasté, comme on dit au Québec. Au moins, j'ai 2 petits steaks. Come on, le petit déj avec un petit médium saignant. On aime ça. Bon, du porc, on enlève le lit. Cette fois-ci, récupère mon stuff. On va essayer de se donner quand même des bonnes habitudes. Et la prochaine étape, c'est d'aller chercher du fer. Et j'en ai vu dans la caverne juste en dessous. Donc, ça va être parfait. Question d'avoir un stuff qui fait au moins un peu de sens. Et ensuite, comme j'avais promis, je vous dis les défis qui ont été choisis pour cette série. Vous allez voir, je suis très satisfait. Je ne sais pas pourquoi je me suis refait une pioche. Je suis mêlé, d'accord? Je suis... Laissez-moi une chance. Alors, quel va être le futur de cette série avec les 9 défis et 3 quarts? Alors, le premier défi...
c'est de se construire une maison, donc la maison principale, là où je vais être et là où on va pouvoir développer tout ce qu'il faut pour survivre. Mais elle est seulement construite toujours trois quarts. J'ai le trois quarts d'une maison, donc je peux jamais la terminer. Manque un bout de toit, manque un bout de mur ou ce genre de choses. Juste, voilà, jamais terminé. Je trouve ça quand même drôle. Je garde le meilleur pour la fin. Deuxième défi. Avoir, dans le jardin de la maison, un représentant de chaque arbre de tous les biomes. Je trouve ça quand même plutôt cool. Et là où on s'est installé, j'ai déjà trois biomes. Alors c'est cool, on a déjà trois arbres de fait. Je vais pouvoir me faire un beau jardin. Un jardin aussi où on cultive des trucs pour pouvoir bouffer, faire de l'automatisation, ce genre de choses. Ça va être génial. Trois, avoir un creeper chargé comme compagnon et on doit l'appeler Jean Foudre. J'aime le jeu de mots. C'est sûr que vous avez tous eu le même mot qui vous est venu entendre. Prochain défi. Avoir un sniffer comme compagnon appelé ShopVac. J'adore ce défi. En plus, le sniffer est nouveau. J'ai aucune idée. J'ai jamais vu ce mob de ma vie. Mais ShopVac, pour ceux qui ne savent pas, au Québec, aux États-Unis du moins, c'est une marque d'aspirateur. Qui aspire vraiment n'importe quoi. C'est le genre de truc que tu vois souvent dans des garages et ce genre de choses. L'aspirateur que tu peux maltraiter. Je ne vais pas maltraiter le sniffer, mais quand même, j'adore le fait d'avoir un sniffer qui s'appelle ShopVac. L'autre défi, avoir trois quarts des 20 tessons, donc soit 15 de poterie, exposés en trophée. Donc, je vais devoir faire... j'ai jamais vu la poterie dans Minecraft. Je vous le dis, je suis vraiment pas à jour. Donc, je crois qu'on va devoir explorer, justement, avec du sable ou des trucs... ils appellent ça... pas mystérieux, là, mais louche. Je me rappelle même pas encore des... Je vais apprendre au fil du temps. Et bref, ça va être cool, je crois, de pouvoir avoir une belle bibliothèque. Mais au moins, j'ai pas besoin de tous les prendre. Prochain défi! Avoir le trois quarts d'une armure en netherite. Alors, une fois que je vais avoir l'armure la plus puissante, ben, je peux pas l'avoir au complet. Donc, je vais choisir les bottes que je n'aurai pas. Quand même. On essaie d'intégrer quand même du trois quarts. Je veux pas que ça soit non plus du trois quarts partout. Faut savoir quand même doser. Je trouve ça intéressant. Du moins, j'en ai quelques-uns avec trois quarts. Donc, j'aurais envie de dire que c'est les trois quarts des défis qui sont en trois quarts. Finalement, c'est cool. Je m'en suis pas rendu compte, puis je crois que je l'ai fait naturellement. Prochain défi. Faire construire une maison par quelqu'un qui ne joue pas à Minecraft. Genre ma mère. Ou whatever. Donc, il y a un épisode, à un moment donné, quand je vais être bien installé, puis que je vais avoir quelques coffres avec des matériaux que je vais avoir préparés. Je vais avoir un ou une invitée qui va devoir construire une maison. Bang. J'aime beaucoup l'idée du défi. Ça va faire un bel épisode où je vais avoir un ou une invité. Prochain défi. Avoir 9 et 3 quarts perroquets sans procréer. Donc, je dois vraiment aller les chercher. On doit tous les appeler Jean-Pierre. Parce que... Donc, juste 9 perroquets qui s'appellent Jean-Pierre et un dans un cadre. Donc, j'ai un trois quarts de perroquet quelque part dans la cage que je vais créer. Voilà. Juste, why not? L'avant-dernier. Tuer le dragon. La revanche. J'ai juste pas le choix. Je veux dire, c'est la série des 10 défis Minecraft aurait pu perdurer si ce n'était pas du fait que j'avais apparu à peu près 15 mètres à côté du... Limite, il y a un bug qui m'a buté. C'était juste tellement injuste la façon où je suis mort. Je veux dire, même encore aujourd'hui, je ressens de l'injustice. Donc, j'ai pas le choix. Je dois au moins buter le dragon. Et mesdames et messieurs, selon moi, ce qui complète ces 9 défis et 3 quarts, pour moi qui est le meilleur d'entre tous, je dois créer un cimetière. Donc, ça vous rappelle des souvenirs. J'avais déjà créé un cimetière dans une précédente série. Et dans ce cimetière, chaque pierre tombale... C'est pour chaque série et chose que je n'ai pas terminée. Ça va être un très gros cimetière. C'est moi qui...
Une pierre pour les 20 défis. Une bière pour les défis. Une pierre pour Somnatica. Une pierre pour Teardown. Une pierre pour juste genre, le nombre de trucs que je me suis lancé et que j'ai jamais fucking terminé. Alors pour moi, ce cimetière est absolument symbolique. Il symbolise aussi votre perte de confiance envers moi que vous avez eue à travers les années parce que, bon, je me suis juste trop éparpillé, j'ai essayé trop de trucs et tout, donc mais j'adore ce défi, c'est génial. Puis en plus, ben, vous allez pouvoir m'aider hein, dans l'espace commentaire en me donnant des idées au fil de la construction du cimetière, du nombre de scieries innombrables que je n'ai pas terminées et que très certainement j'ai oublié. Donc ça va être magnifique. Oh, et puis on avait dit aussi comme décoration de pierre, d'essayer de mettre quelque chose qui représente le plus le jeu. Donc, par exemple, Subnautica, je pourrais mettre un bloc d'eau avec un poisson dedans, par exemple. Donc, juste question d'avoir vraiment un cimetière coloré et plutôt très cool. Bref, c'est la liste des défis et je dois vous dire que je les trouve incroyables. J'adore les défis qui ont été choisis pour cette série. J'ai très hâte d'avoir vos retours dans l'espace commentaire. Je suis très excité de pouvoir redémarrer cette série. Mais cette fois-ci, pour de bon, j'ai envie de dire. Juste, comme j'ai dit, je me mettais trop de pression. Donc là, je me sens comme plus prêt à être... Voilà, juste me laisser aller. Le fait que je suis live aussi en même temps, je trouve ça chouette. Puis comme j'ai dit, je vais probablement m'installer cet horaire où ce que je vais être live à tous les mercredis. Donc, comme ça, ben, vous savez quand je suis là, vous savez quand je tourne. Donc, quand vous pouvez être là, c'est génial. Je tourne de jour aussi, donc c'est pas de soir. Alors, ça permet à autant de Québécois que de Français de pouvoir être présents lors des tournages, participer et tout. Donc, je trouve ça très, très chouette. Encore une fois, tout est dans la description. Et le fait d'avoir pris une pause aussi, tu sais, je veux dire... À force d'abandonner tout ce que je commence, quand j'avais commencé au Licube, il y avait la naissance de ma fille, j'allais vraiment pas très bien, ma santé s'est juste complètement effondrée après. J'avais plus envie de me lancer dans quelque chose justement auquel je me mettais trop de pression. Je faisais des montages complètement déchaînés. Puis à force d'avoir des retours de commentaires de gens qui me disent « C'est pas pour ça qu'on te suit, style. » Il y en a plein qui font des montages complètement déjantés. J'aurais dû me faire une hache, mais je me suis fait une pioche à la place. Nous, ce qu'on aime, c'est limite de pas te regarder jouer à Minecraft, mais te mettre de côté comme un podcast pendant qu'on fait autre chose. Comme nice! Donc, mais c'est pas grave, je comprends totalement. Donc, les abeilles, une autre chose que j'ai jamais fait, j'ai aucune idée ce qu'on peut faire avec des abeilles. J'ai aucune idée ce qu'on peut faire avec la majorité des biomes. J'ai aucune idée ce que je peux faire avec des tournesols. J'ai aucune idée de la vie. Juste, c'est... Voilà. j'ai tellement à apprendre. C'est crazy, sincèrement. Ça, c'est un très beau lit. Là, sérieusement, là, je veux dire, s'il vous plaît, là, je veux juste me faire une hache. Puis après ça, on va aller au moins ramasser un peu de fer. Elle est où ma table de craft? Sans commandant. Donc, au moins, j'ai un peu de stuff pour me faire... Je vais pas trop en prendre non plus, parce que je vais en avoir besoin pour me faire au moins quelques petites fabrications. J'ai ma hache. La pioche va... servait à rien parce que je viens de penser je vais me faire du stuff en métal. Niveau cuisson, j'étais timé, fuck yeah! Et that's it, je crois. Je crois pas que j'ai rien oublié. L'épée commence à crever, mais on s'entorche. J'ai de la bouffe pour survivre. I think we good. J'ai mon lit pour que je puisse survivre. Bon, on va laisser la bouffe cuire et on va aller chercher un peu de minerai. Les torches, c'est vrai! Merci, Ghost Player. J'allais complètement oublier ça. Si je vais dans les mines, c'est important. Je vais pouvoir m'en faire une, mais grâce au shader, je peux quand même m'éclairer. Donc, ah non, ça en fait quatre, c'est vrai. Ben voilà,
En même temps, je vais essayer de récupérer aussi du charbon. En disant ça, je viens de... Si je nomme le nom de certaines personnes, je veux dire, qui me donnent des idées, ça va vous donner encore plus envie de participer parce que vous allez vous dire « Oh! Steele peut nous faire un shout-out durant un épisode! » Ça peut être cool. J'avais pas envie de vous donner non plus une reprise. Je veux dire, j'aime pas les gens qui vont nécessairement... Ben, j'aime pas les gens. Je m'en fous, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, mais quelqu'un qui va juste remettre une rediffusion Twitch... Je trouve pas ça cool. C'est impersonnel. Il y a le côté que t'as vraiment l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose. Alors que là, non, c'est vraiment... C'est pas pareil. C'est, quand je fais un live Twitch, c'est pas du tout la même chose que je joue un jeu en live Twitch que quand je tourne une vidéo. Là, il y a vraiment des préparatifs. Il y a vraiment... je veux dire... Je tourne comme je tournerais normalement un épisode quand je suis tout seul. Donc, je veux dire, je désactive les notifications, je désactive comme plein de choses. Puis c'est vraiment à vous que je m'adresse dans la vidéo. Mais je suis soutenu par la communauté qui est avec moi. Donc, je trouve qu'il n'y a pas cette impression, justement, de passer à côté de quelque chose. De se dire, ah, merde, c'est chiant. Je veux dire, moi, on dirait que ça me donne, je ne sais pas pour vous, mais moi, si je démarre une vidéo puis je me rends compte que c'était un Twitch... On dirait que ça me donne l'impression, justement, que j'étais pas là, donc... je sais pas, c'est ma façon de... C'est complètement con quand on y pense, mais c'est... Je sais pas. J'aime quand une vidéo est tournée pour qu'une vidéo soit tournée, point. Il y avait une caverne tout près tout à l'heure. J'ai littéralement passé à côté. Oh, oh, oh! Hello! Yes! Sauf que là, il y a le soleil qui va bientôt... Oh, c'est vrai, le soleil est rond. Non! D'ailleurs, je joue en vanilla. J'aime pas les mods. J'aime pas les mods. C'est tout. J'aime pas les mods. Après ça, les mettre en update. Puis là, tu peux pas avoir un update. Donc, bref, vive les shaders. Mais sinon, je veux rien savoir des mods. Donc, ne me proposez pas des mods ou quoi que ce soit. J'en ai pas envie. Alors, j'aime ça comme ça. C'est une autre chose aussi dans les autres défis. Des fois, je me mettais des mods. Finalement, j'aimais pas ça. Je reviens aux bases. C'est tout. Ce qui me plaît, that's it. J'ai Darukiti qui me dit « De toute façon, le jeu a tellement changé depuis que tu vas y jouer, tu auras l'impression que c'est modé. » Honnêtement, oui. Et il y a tellement... Quand j'avais fait ma série sur Holycube, j'aimais pas vraiment ça. Ça m'a donné une expérience, mais j'ai jamais nécessairement accroché. J'aime le jeu Vanilla. Point! C'est tout. Donc, je l'aime comme ça, c'est... Laissez-moi une chance. Laissez-moi une chance, s'il vous plaît. Regarde, j'ai mon lit avec moi, là. C'est pas grave. Je vais aller remettre du charbon, question que ma viande a cuit. Puis, je vais aller... Je vais aller me faire une pioche en pierre, ce qui se doit. Voyez-vous, quand j'ai fait ma pioche, je viens de réaliser. Quand j'ai fait ma pioche en bois, dans ma tête, je la faisais en pierre. Regarde, je veux dire, c'est... Je suis rouillé! Je suis rouillé, guys! Bon! Puis, je disais tout à l'heure, il y a tellement de choses qui ont changé dans Minecraft que, effectivement, pour moi, c'est quasiment devenu un nouveau jeu. J'ai tant à découvrir. J'ai tant... À juste réapprendre à jouer. Je pensais que j'avais ramassé beaucoup plus de pierres que ça, donc bref, c'est de la merde. Et la seule chose que j'ai de la difficulté, et je sais pas pour vous, c'est peut-être juste parce que je suis pas habitué. Ma viande est toute cuite. Oh, wow! OK, cool. Je pourrais peut-être en profiter pour me faire un coffre en attendant, tant qu'aff. Tiens, j'avais dit que j'allais garder des bûches, mais fuck it. Le fait que les sous-sols sont tellement devenus grands, j'aimais l'aspect de profondeur de Minecraft. Tu vois, il y avait des grottes qui étaient immenses, mais j'aurais aimé qu'ils soient juste repensés ou redéfinis, c'est-à-dire qu'avec tous les nouveaux biomes de grottes, je trouvais ça très cool. Mais, comme je vous dis,
je vais réapprendre à découvrir Minecraft tel qu'il est, mais le fait que les grottes soient si immenses, on dirait que j'ai un peu de difficulté. Il y a cet aspect que ça me dépasse un peu. Tu peux rester des fois, genre 10 jours juste dans une grotte parce que tu t'arrêtes jamais, tu vois jamais le bout, en fait. C'est peut-être juste moi, en fait, qui est trop habitué à la nostalgie parce que je dois avoir genre 3000 heures. C'est le jeu que j'ai le plus joué de ma vie, Minecraft. Donc, je dois avoir à peu près 3000 heures sur Minecraft, mais à l'époque, j'ai toujours connu les grottes telles qu'elles sont. Donc, comme je vous dis, c'est peut-être une question d'habitude, mais je sais pas. On dirait que j'ai gardé quand même une préférence. J'ai l'impression que ça m'intimide d'avoir des grottes qui sont aussi géantes que ça. Donc, très hâte de voir dans les commentaires ce que vous allez me dire justement à ce propos. Donc, j'imagine que je suis pas seul. Il doit y avoir d'autres joueurs, des vieux de la vieille comme moi, des croutons. Oh, shit! Damn! Hello? OK, c'est drôle, je viens d'en parler et je suis complètement abasourdi par la gigantesquitude de cette grotte. Il faudrait peut-être que je mette ça ici. Il y a le Warden aussi que j'ai pas très hâte de rencontrer, juste par peur. Mais j'aime ça parce que justement, il y a ce côté qui fait peur et que t'entends son cœur battre et tout. C'est le dernier mob, en fait, que j'ai vu. Et là, d'ailleurs, je tourne cette série et il y a seulement 2 épisodes sur 3 que j'ai vu passer là, sur YouTube du prochain update là, où tu dois choisir entre 3 mobs. Alors, j'ai hâte de voir le... Ah, c'est super cool, il est méga beau avec le rayon. Waouh! Là, pour l'instant, ce qu'ils ont présenté, c'est... on en parlera dans le prochain épisode. Ouais, le creeper, pas tout de suite. J'ai pas d'arc et rien, donc ça va. Je vois peut-être... j'ai quand même assez de fer. Je crois que je vais aller me fabriquer au moins une épée et une pioche, et je vais revenir. Faudrait peut-être que je me fasse aussi une armure. Mais là, j'ai vraiment pas assez de fer pour me faire juste une armure qui vaut le coup. Du cuir, j'en ai ramassé juste un, donc... honnêtement, je peux pas aller chier vraiment très loin avec ça. Aïe. Je vais aller voir les arbres ici. Puis en même temps, je vais peut-être savoir qu'est-ce que je peux faire avec les abeilles. Est-ce que les abeilles sont vraiment ultra utiles dans BeamNG? Tellement habitué de jouer à BeamNG! Tellement plus habitué de jouer à Minecraft! BeamNG a changé! Wow! J'ai hâte de rentrer avec mon Gavril là-dedans. Ça doit être nice. Ah, les petites fleurs au sol et tout, mais c'est magnifique, bordel! Wow! Hey, ça serait l'endroit parfait pour faire un camping, mettre un lit, puis procréer avec Alex. Shit! Juste... Yes! Des lamas! J'ai aucune idée pourquoi. OK, parce qu'il y a le bilan... Est-ce qu'on peut les... je savais pas que les lamas chiaient des œufs, mais bon. C'est une blague, je suis pas con à ce point-là. Est-ce qu'on peut monter les lamas? Dit comme ça, c'est vraiment étrange, mais juste... être sur leur dos, puis... je me rappelle même plus ce qu'ils font. J'ai tellement à réapprendre de ce jeu, c'est hallucinant. Bref, je vais juste faire un carnage. Ah, j'ai pas le goût de les tuer. J'adore les lamas. Je vous montre une photo. Ma copine est allée dans un zoo avec ma fille. Je dois vous dire pourquoi Steel n'était pas là. J'avais d'autres trucs de prévu. Puis justement, ma copine en a profité pour faire des activités. Et ils sont allés dans un zoo. Mais juste regardez cette photo. J'adore! Les gens en live sont juste comme « Wow! La photo! Malade! Incroyable! » Eux, ils l'ont pas vu. Vive le montage! C'est vous qui en profitez, justement. Donc, moi, je venais juste pour essayer de chercher du cuir. Je suis complètement perdu. Je vois, par contre, que j'ai pas perdu, justement, une de mes bonnes vieilles habitudes.
C'est-à-dire que dans un seul épisode, je fais à peu près rien. Je veux dire, je vous parle, on papote, j'avance à peu près pas. Donc, je pourrais réaliser tous les défis. Normalement, là, quelqu'un normal pourrait réaliser tous les défis en genre 12 épisodes. Puis moi, je vais être rendu à l'épisode 126 et je vais avoir fait juste 3 défis. Donc, c'est ça la beauté de Steelers. C'est pour ça que c'est plus un podcast qui est qui est agrémenté d'un Minecraft, en fait. Ah. Puis en plus, je vous ai montré une photo d'un lama, mais c'est même pas un lama, c'est un alpaga. Donc, j'ai hâte de voir les gens qui se sont lancés dans l'espace commentaire pour me dire que c'est pas un alpaga. Donc, un alpaga, un lama. Hey, je suis vraiment mêlé aujourd'hui, c'est incroyable. Ben non, bref, je vais ramasser un peu, je vais me taire, je vais progresser. Question qu'on ait une impression que ça progresse un peu. Je vais avoir besoin de fer, je vais avoir besoin d'un peu de stuff. Donc, let's go! C'est vrai, j'ai oublié que j'avais deux mains. J'ai oublié que j'avais deux mains. C'est vrai, je peux complètement faire ça. Ici, il y a du fer, c'est cool. Il y a des zombies aussi, ça c'est moins cool. Oh shit! Oh shit! La famille au complet est là! Ah! Ah! J'ai plus d'épée! Brûle! Ah! Ça serait con de crever dans le premier épisode! Shit! Merde, est-ce qu'il va crever un jour? Combien de points de cœur? Il y en a 40, c'est quoi? Jeez! Attends, faut que j'aille voir ça ici. Damn! À date, j'adore le seed. Vraiment génial. OK, retour à la maison. Et justement, j'étais en train de me dire à quel endroit je pourrais faire ma maison, parce que j'adore là où on a spawn. Puis j'aimerais ça être près des arbres roses. Tu sais, une espèce de mix d'un peu de tout. Et là, après ça, je pourrais me faire un système de rails automatisé qui me fait monter en haut de la montagne. Donc vraiment me faire un système vraiment avec... J'adore la redstone, donc juste de pouvoir ramener des choses un peu... je peux appuyer sur un bouton pour caler ou avoir un système de deux rails quand il y en a un qui s'envoie, l'autre, juste pour que je puisse grimper, retourner à la maison, faire un pont, par exemple, entre les deux ici. Tu vois, on vient de commencer et j'ai déjà plein de petites idées qui sont vraiment géniales. Alors voilà, je vais finir par faire mon épée et puis mon shit. Ah, c'est vrai, il faut faire cuire le fer. Hey, je suis rouillé, là. Mais je suis rouillé, là. À mes souhaits. Voilà. On me dit que je suis rouillé. On pourrait m'appeler Steel Rust. Ça pourrait être mon nouveau surnom. Je pourrais me faire un mode, le seul mode que je pourrais faire, un texture pack, mais juste pour une armure, puis rouiller une armure en métal. That's it. Steel Rust. Ça pourrait le faire. Ça pourrait être nice. Oh, yes. Voilà. Tiens. Alors là, je fais attention de ne pas avoir de totem dans la main. Juste les vrais s'en rappellent. Le chapeau qui est là, je m'en branle. Fait que ça s'en va là-dedans. Non. Génial. Génial. Voilà. Avec ça ici. Ah. Oh. Voilà. Oh shit! Man! Ils font mal! Le champ, j'étais pas en hardcore. Je l'ai bien calé en début d'épisode. Mais... Honnêtement, je m'attendais pas à ça, là. Je veux dire...
ils font vraiment beaucoup de dégâts, là. C'est absurde. Trois flèches. D'où l'importance, j'espère qu'il y a 10 spawns, d'où l'importance d'avoir une armure en aide de rythme maintenant. Là, je veux dire, c'est juste absolument plus suffisant d'avoir une armure. Je me rappelle même plus c'est quoi après le fer, tellement que j'ai pratiquement tout oublié de ce jeu. Je veux dire, c'est Code Tars qui dit « C'est un viol dans les règles de l'or, mais totalement. » Ok, est-ce qu'il est encore là? Moi, je m'en vais d'ici. J'y retourne pas tant que j'ai pas un bouclier. Oh my God! Diamant! Ben oui! Naredo qui dit, OK, du cuir, de l'or, cotte de maille, du fer, du diamant et netherite. J'avais complètement oublié l'existence des diamants pendant un court instant. Je suis rouillé! Je pense vraiment qu'il faudrait que je fasse l'armure, ou tous les armures. Genre que je fasse de la rouille. Netherite, je crois qu'elle est brune, donc ça va être quand même être un peu difficile, mais quand même. Là, il faut que j'essaie de trouver du fer un peu plus en surface. Tout à l'heure, j'avais vraiment de la chance d'avoir vraiment la paix. Mais là, sincèrement, là, wow! Ah, des fois, ça, quand que je jouais, ça existait. Et parfois, il y a un coffre. Ça peut être cool. Effectivement, il y a un coffre. J'espère qu'il va avoir quelque chose d'utile et pas de la merde. Ça serait génial. On va essayer de faire attention d'où je mets les pieds. Ouh! Pretty nice! Toujours mieux que rien. T'en as absolument, mais rien à chier. Quand que... Enchante avec quoi? Plus 2. Respiration 2? Très cool! Tu vois, ça, c'est mon cadeau parce que je suis mort. Le jeu me dit, bon, il est tellement noob. On va y donner au moins un petit quelque chose pour y donner un coup de pouce. Donc là, clairement, ici, pour descendre... Mais il n'y a rien. Ah! Ah! J'y ai pas pensé. Des fois, quand tu pètes du sable... ça peut juste tout se détruire. Go. J'ai besoin de me faire au moins le reste d'une armure. Je fasse attention pas qu'il y ait un autre squelette qui me shotgun, ça serait cool. J'aimerais bien voir dans la physique de Minecraft, voir dans la vraie vie les Olympiques de quelqu'un qui est capable de nager dans une chute d'eau et remonter. Ça serait magistral. Ok, ma maison. J'ai de la bouffe en masse, on s'entorche. Là! Il me semble... Ok, des arbres roses. Fuck, il y a un zombie noyé. Tant que ce soit pas un de ces trucs qui me lance des tridents. Merde. Allez, s'il vous plaît, pas une autre fois. Come on. Le lit ici près. Je préfère me faire mal que crever. Quand t'es pas full stuff, je te jure que tout à coup les nuits font peur. Surtout quand tu joues en hard. Non! Jesus! Come on! Je veux juste dormir. Non. Brûle, Satan! Ce stress nocturial que je viens de vivre. Oh! Hey, premier épisode.
Puis déjà, il est encore là, merde. Je peux pas faire comme dans le jeu Worms puis juste lancer une TNT en bas. Chier, merde. Au moins faire cuire le métal et me faire un bouclier. Puis aller buter. Ok. That's it! C'est comme ça qu'on fait. Apprenez à la maison. Je suis un pro player. Note. Alors voilà, je crois que c'est sur cette victoire de quand même un squelette, on va se le dire. Ça fait quand même déjà beaucoup d'émotions et beaucoup de trucs. La mise en place, j'ai hâte de voir les réactions et tout pour ce retour. Première fois avec du Minecraft sur cette chaîne, donc je trouve ça aussi symbolique. Il y a vraiment plein de choses. Ça fait juste du bien, tout ce que je suis en train d'entreprendre et faire en simplifiant les choses, en mettant moins de pression, comme j'ai dit, puis juste m'épanouir. That's it. Alors, j'espère que ça vous plaît. J'espère que tout ce que je suis en train d'entreprendre va me permettre de pouvoir regagner votre confiance et qu'on puisse vivre une longue aventure ensemble. Je vous remercie pour tous les années, pour ceux qui sont restés, pour ceux qui ont gardé confiance en moi. Je fais vraiment mon gros possible. Bref, je vous aime vraiment très fort. Merci et à très vite dans un prochain épisode. Bye bye!